Nang's Reborn. Waouh, c'est extraordinaire! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. Nous sommes franchement très heureux de vous revoir aujourd'hui, surtout que nous parlerons des choses hors du commun, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, waouh, ça va être chaud! Que signifie ce terme « être au service du diable » Qu'est-ce que ça veut dire ? Être au service du diable ou être un serviteur du diable, qu'est-ce que ça signifie ? Mes frères et sœurs, être au service du diable ou être un serviteur du diable, c'est faire des choses pour la gloire de Satan. Ou encore se comporter de sorte que ça montre clairement que nous travaillons pour le diable. Et c'est ça même être au service du diable. Et les gens sont au service du diable consciemment, d'autres ne le savent pas. Les gens sont au service du diable inconsciemment. Et comme les gens ne savent pas clairement que ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des choses qui montrent qu'ils sont au service du diable, nous avons décidé de vous montrer dans cette première partie de cette vidéo, comment est-ce qu'on peut être au service du diable sans s'en rendre compte. Et ce que nous allons vous montrer ou encore vous présenter ici, que cela vous aide à abandonner vos mauvaises voies. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs. Sans plus tarder, nous allons regarder la première vidéo, la première image, ou encore cette vidéo qui va apparaître là, juste ici ou là. Et nous allons découvrir ensemble des choses qui vont vraiment nous étonner. C'est parti, regardez ça. Wow. Mais qu'est-ce que c'est, on va dire que c'est un chanteur, quelqu'un qui est en train de chanter, c'est une star. Oh, elle est jolie. Regardez bien. On a besoin que cette personne qui est en train de chanter porte en même temps sur elle tout ce qui vient des hommes mystiques. C'est-à-dire c'est un chanteur, mais il a sur lui des gorilles ou bien encore des choses de base de protection. Tous ces instruments-là sur lui nous montrent que cet homme qui est là, il a des choses du diable sur lui. Et quand il chante, quand il est sur scène et que les gens voient ça, il veut copier ce qu'il fait. Ce faisant, cet homme se met directement dans une position qui fait qu'il est en train de travailler pour Satan, il est en train de publier les choses du monde du diable, ce qui fait qu'il devient net et clairement au service du diable, même s'il n'a pas ouvert sa bouche pour dire qu'il a vendu son âme au diable. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et regardez ça. Là, ça devient compliqué, mais ça va permettre de juste voir ce qui va se passer dans la suite. Regardez ça. Wow! Mais qu'est-ce que c'est? Wow! Mais elle est jolie! Je ne vois pas sa tête, mais tu dis qu'elle est jolie. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ce qui t'intéresse à ce niveau-là, c'est son corps. La beauté de son corps. Waouh! Waouh! C'est incroyable. Vous-même, regardez encore. N'est-elle pas belle? N'est-elle pas belle? Elle est plus belle que belle. Mais elle habille de façon sexy. Et quand une femme s'habille de façon sexy, comme vous le voyez, ses seins sont exposés. Les seins courbes, les parties de son corps sont exposées. Ce faisant, ça pousse les gens à la désirer sexuellement. Et le diable aime ça. C'est pourquoi il va continuer à produire de ses articles ou encore de ses vêtements pour rendre les femmes de plus en plus sensuelles, de plus en plus sexy, afin de séduire l'humanité et que tout simplement les hommes soient facilement séductibles et qu'ils pêchent aussi facilement. C'est difficile à vivre, mais là ça se comprend. Quand on voit une femme sexy, on a du mal à se contenir. Donc, une femme qui s'habille de façon sexy, elle est elle aussi au service de Lucifer, Satan. Parce que Satan, il a un nom, l'un de ses noms, des noms qu'il a, c'est qu'il s'appelle aussi le séducteur. Si vous ne savez pas, aujourd'hui, les informations sont devant vous. Vous-même, analysez votre vie. Et il y a des femmes qui aiment ça.
quand elle passe, elle veut qu'on les regarde. Quand on regarde leurs fesses, elle prend sa main, quand elle tape sur ses fesses. Ouf, regarde-moi, ce sont mes fesses, ça coûte cher. Regarde mes seins, ça coûte cher. Et c'est comme ça que les femmes se voient aujourd'hui. Mais elles ne vendent plus, elles ne font plus passer les valeurs morales, c'est que c'est tout dans la tête. C'est pourquoi ici, vous voyez cette photo-là, sans tête. Parce que tu fais au hasard. Dieu ne fait plus hasard. Le diable, il te regarde jusqu'à. Il regarde, ok. Qu'est-ce que tu as à offrir? Je regarde tes seins, ok, il n'y a pas de souci. Ça peut attirer quelqu'un. Je regarde ton couple, ok, il n'y a pas de souci. Quelqu'un peut tomber dans ton piège. Ce faisant, cette femme devient automatiquement une femme adoratrice du diable. Ou encore qui est au service de Satan. Mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas encore. Ce qui veut dire que toutes les femmes qui s'habillent de façon sexy, que ce soit volontaire ou involontairement, elles sont en train de soutenir le diable dans sa mission de pervertir le monde entier, y compris la jeunesse. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ah non, mais c'est toi, Mandré, qui a plusieurs bras. Qui est-ce, mes frères et sœurs? Qui est-ce? C'est un magicien. Mes frères et sœurs, un magicien aussi, c'est une personne qui est au service du diable. La preuve en est que certains magiciens confessent eux-mêmes que pour pouvoir exécuter certaines choses, certains trucs de magie, ils sont obligés de rentrer en contact avec le monde invisible, c'est-à-dire avec les démons. Ah! Mes frères et sœurs, et quand nous on voit de telles choses à la télévision, nous sommes surpris, on se dit, mais oh là là, comment se fait-il qu'il ait trois bras comme ça dans la main? C'est pas possible. Comment se fait-il qu'il y ait ça? Mes frères et sœurs, c'est la magie qu'on nous montre souvent dans les émissions de télé, de télévision où les gens viennent présenter leurs talents. Ça, il y a des gens qui font de ces petits trucs montés, c'est juste une farce. Ça c'est possible, mais il y a des vrais magiciens, et les vrais magiciens dont nous sommes en train de vous parler ici là, ce sont des gars, des gens même qui déplacent des verres sans même les toucher, même qui peuvent séparer l'eau qui se trouve dans un verre en deux, comme Moïse. Ça j'ai vu de mes propres yeux aujourd'hui. Mes frères et sœurs, toutes ces personnes qui font de telles choses sont au service du diable. Donc un magicien, il sait que ce qu'il est en train de faire nous met dans une position où on va tout simplement dire qu'il est un adorateur du diable. Voici la raison, voici ce que nous sommes en train de vous dire ici. Mes frères et sœurs, comprenez. Regardez ça encore. Une femme qui lit les cartes. Une femme qui lit les cartes, elle aussi, elle fait le même job qu'un magicien. Les médiums, les féticheurs, toutes ces personnes que les gens vont voir, même pour parler avec les gens qui sont décédés, ces personnes que vous allez voir là, effectivement, ce sont des gens qui sont au service du diable. Et regardez ça, il y a peu de cartes comme ça sur la table, vous allez les voir. Ah, il y a quelqu'un, je ne sais pas ce qui m'arrive dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas, je veux que tu me prédises l'avenir. Même cette histoire de horoscope là, ce sont les instruments du diable. Et ces gens-là sont au service du diable comme ça, clairement, regardez. Regardez ce qui se passe. On lit les cartes et les gens s'intéressent fortement à ça. Mais quand tu leur parles de Jésus, ils te disent Jésus est mort à l'hôtel, j'ai peur, on ne le voit pas. Mes frères et sœurs, faites attention. Regardez ça encore. Waouh, là, nous sommes où? Dans une boîte de nuit. Et toutes les femmes qui dansent dans les boîtes de nuit, qu'on appelle elles-mêmes les stritiseuses, c'est ça le nom, elles appellent les stritiseuses. Les stritiseuses, comment on dit ça? Stritiseuses. Bon, mes frères et sœurs, vous voyez vous-même, regardez. Une femme qui se trouve dans une telle position, dans un bar comme ça, en train de danser comme ça, elle est directement au service du diable. Là même, sans même ajouter un mot supplémentaire, c'est clair. Les choses sont réelles aujourd'hui. Et regardez encore, ici, on peut voir une femme dans son clip qui a tout simplement fait ce geste-là. Ce mouvement de son corps et elle regarde juste ses fesses. Ça pousse quelqu'un à la désirer sexuellement ou encore ça pousse les gens à la
à s'intéresser à ce qu'elle peut offrir de son corps, ce que son corps a à nous offrir. Et ça, c'est une position aussi qui montre que c'est l'adoratrice du diable, ou encore elle a accepté d'adorer le diable sans le savoir. Regardez ça. Les gens qui passent leur temps à tatouer les gens, quand tu tatoues les gens vont te voir, tu tatoues. Ton travail là, te mettre dans une position où tu es aussi un adorateur du diable. Ou encore tu es au service du diable, parce que les tatouages sont interdits par Dieu. Et ce tatouage de canne de mort est censé symboliser l'ange de la mort. Et quand on va plus loin, on voit ça. Vous allez voir des écrits ou encore de l'écrit. Beaucoup de symboles occultes, comme vous le voyez ici, si vous voyez ça, sachez automatiquement que les gens aussi qui sont là sont tout simplement au service du diable ou encore un travail pour le diable. Et ce sont des choses qui ne sont plus cachées. Même qu'une femme se tatoue sur là, sur cette partie-là, et puis elle porte des vêtements qui montrent son nombril, et on voit en même temps ses fesses. Ça aussi, c'est une situation qui montre qu'elle veut que les gens la copient ou encore. Les gens fassent ce qu'elle aime le faire. Du coup, elle va pousser aussi les gens à aller se faire tatouer ça ou encore à aimer ce qu'elle vient de faire. Ce faisant, elle aussi. On va dire quoi d'elle? On va dire qu'elle a tout fait travailler pour Satan, publier le diable ou quoi les mauvaises choses. Ce que Dieu a demandé de ne pas faire, c'est ce qu'elle pousse les gens à faire. Et ça, c'est pas du tout joli, joli. C'est pas une bonne chose à faire. Si vous vous retrouvez dans tout ce que nous venons de vous montrer là, ici, répétez-vous et abandonnez vos mauvaises voies, mes frères et sœurs. Ça, c'est pas un travail. S'il vous plaît, que Dieu vous aide en sortie aujourd'hui. Abonnez-vous aujourd'hui. Et que j'aime, si vous avez été touché, n'oubliez pas, abonnez-vous. C'est parti. Bien souvent. Waouh, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh, la suite.